C'est vrai, Médor, et le maire de Linguitsé a travaillé avec son premier adjoint sur l'urbanisme lorsque nous l'avons rencontré. La question foncière, la résistance face à des menaces, lui avait valu d'être primé en 2016 par l'association Falcone, un organisme anticorruption. Et c'est encore pour ce même motif que la récompense lui a été attribuée, cette fois, par l'association Anticor. Je pense qu'Anticor a tenu à montrer qu'en Corse, c'était une zone difficile. Il y a des livres qui le prouvent, il y a des articles qui le prouvent, et que des maires qui luttent, il y en a bien d'autres qui ne le disent pas et que je veux associer aussi à ce prix. Anticor veut montrer que c'est une terre qui n'est pas une terre de une zone de l'endroit telle qu'elle est définie souvent par les médias français et autres. Linguitset est une commune de la plaine orientale tournée vers l'agriculture. La majorité de ces terres y sont des espaces stratégiques agricoles. Le combat de Sévrin-Médor a été aussi de stopper l'urbanisation sauvage du littoral. Lorsqu'il avait reçu des menaces, il avait fait le choix d'en parler. Il est persuadé que cette publicité l'a aidé. Plus de menaces depuis quelques années, je n'ai plus aucune menace. Nous sommes en train de refaire le PLU, nous n'avons aucune menace. Il y a le projet, il y a la faillite du domaine Casabianca, que nous n'avons aucune pression. Absolument pas. David Brujogne, le maire de Chintour, est le second lauréat corse du prix de l'éthique d'Anticor. Un soutien bienvenu pour lui face aux intimidations et attentats subis depuis 2014 contre son domicile ou sa mairie. L'association Anticor s'étonnait en revanche du manque de réaction à l'annonce des récompenses. Il y a deux maires qui sont honorés, qui rehaussent l'image de la Corse, qui montrent une Corse qui existe, qui est réelle, mais celle qu'on ne montre pas. Et je veux dire, c'est un silence assourdissant. Peu de félicitations et peu de collègues les ont appelés pour les féliciter. Et même au niveau dessus, personne ne les a félicités. En 4 ans, le maire Cap-Corsin a déposé une cinquantaine de plaintes pour dénoncer des malversations supposées dans la passation de marchés publics. Anticor a décidé de se porter partie civile à ses côtés.